Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la K Family. Aujourd'hui, ça sera une vidéo vlog. Vous allez nous accompagner durant cette journée qui sera très très chargée parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire à ma mère qui a 49 ans. Donc voilà, vous allez nous accompagner pour savoir comment on prépare, comment on s'organise. Marie, qu'on sera en petite confinauté, je vous l'avoue, parce que voilà, à cause de ce déconfinement, de ce coronavirus qui tue tout le monde dans la ville, là, dans le monde entier là. Donc voilà, on a peur de. Enfin, on a peur. Certaines personnes de notre famille ont peur voilà, de l'attraper. Donc, ça sera quand même en petite communauté, mais ne vous inquiétez pas, on va bien s'amuser. Est-ce que là. Alors, voilà, vous allez nous accompagner aussi comment, pour voir comment on va nous préparer. Il y aura un moment où je vais vous passer la caméra à. Mon frère, ouais. Comme ça il va vous montrer comment il se prépare, etc. Donc voilà, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à cliquer sur la cloche des notifications. T'abonnes-toi, hein? Je t'abonne ici. Arrête! Oh! N'hésite pas à cliquer sur la cloche des notifications. Et like, commente, partage. Bon, bref, à t'abonner si on est tiré fort en réseau social si tu le souhaites, à liker la vidéo bien sûr, ça nous ferait très très plaisir. Et une dernière chose, à nous mettre un petit commentaire pour savoir si tu as aimé ce petit vlog qui sera notre tout premier parce que c'est la toute première vidéo qu'on fait sur la chaîne familiale. Donc c'est parti, let's go! Another guilty beat. Too many boys in the area. J'ai mis un chouchou parce que mes cheveux, j'avais pas envie que, voilà, que ça brûle tout. Donc j'ai mis un chouchou. Putain, c'est lourd! Vous allez voir, genre le soir il y aura une battle. Moi contre Johan. Enfin, moi et Johan. On est la team, voilà quoi. Et mon père contre Sarah, laissez-le avoir. Ils vont dire qu'ils vont gagner, ils vont gagner, ils vont gagner. Une battle de danse, ils vont gagner. Déjà, la manière dont mon père il danse là, laisse tomber. Hein. Et Sarah là, elle danse, elle sait pas bouger les poches là, laisse tomber. Bouger les poteaux. Vous allez voir la surprise. On va nous filmer en train de danser, vous allez voir. De plus en plus chaud, je sais même pas il fait combien de degrés cette fois. Il fait grave 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 chaud. Grave grave chaud. J'ai trop chaud, c'est pas possible. Là, je suis en train de prendre du poids hein, cette fois. Le poisson. Donc, je vais me faire une petite présentation. Une petite présentation. Ah, on s'en fout. Je vais faire une petite présentation. Hein. Je t'appelle comment? Je m'appelle Yoann. T'as quel âge?
enfin, ouais, moi je m'appelle Pénia, j'ai 19 ans. J'habite à Crépy. Je suis congolaise. Je voulais savoir quoi encore. Ma nourriture préférée. J'adore ma nourriture d'origine, donc ma nourriture congolaise, par exemple. J'adore quoi encore. La nourriture asiatique aussi, j'aime bien. Plus particulièrement, j'ai tout ce qui est Japon, chinois. Thaïlandais aussi, c'est bon. Après, j'aime quoi? Ma couleur préférée. J'aime le rouge, le blanc, le noir, le bleu. Le jaune moutarde aussi, j'aime bien. Parce qu'en fait, parce que par exemple, le jaune moutarde, ça va avec le moutarde. Voilà. Après, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime bien sortir, rester à la maison, sortir avec votre frère et soeur. En plus, dans les temps, il faut qu'il fasse du foot. C'est ce qui paraît, c'est quand même du foot. J'ai bien les préparer, là, ils vont souffrir. Hein. T'es prêt? C'est dur et long, genre, d'entraînement. Donc, c'est ce qui paraît, ouais, ils veulent tout faire aussi. Parce qu'en fait, ils sont pas bien. Donc, là, on est tous dans la suite à la maison. PSG, 100% PSG. Donc voilà, et à ce qui paraît, ce qui t'a poussé à faire du foot, à encore plus à aller de l'avant en fait. Genre, qu'est-ce qui t'a dit, papa, il faut qu'on achète un maillot cette année. Quel joueur que t'as amené à faire du foot? Kembe. Parce que toi, tu vas faire quoi comme fait dans quel poste? C'est défensif. Comme Kembe. Pascal Kipembe, le vrai Congolais des Congolais. Après, Moïse, il est modèle, c'est quoi? Moi, franchement, ça ne me dérange pas. Après, si moi je voulais faire du foot, imaginons si moi je voulais faire du foot, mon modèle, ça serait. Oh. Mon modèle, ça serait. Je dirais plutôt Hugo Lloris. Parce que Lloris, il a fait des espoirs, hein. Malgré qu'il a eu quelques petites erreurs, mais voilà, il a fait quand même des espoirs, on l'a dit quand même. Voilà. J'ai hâte de passer à ce soir. On va bien manger, on va bien se préparer, se frapper comme jamais là. Ah, être stylé comme jamais. Ils vont perdre l'équipe de mon père. Donne envie. Là peut-être ça te donne pas envie de manger parce que voilà. Après, tu verras. C'est grave bon, wesh. En plein période de déconfinement là. Plus personne à cause du Covid. Franchement le Covid ça tue. Vraiment tout le monde. Et quand je dis tout le monde, tout le monde. En plus il y a eu cette histoire il y a récemment un noir américain. Un noir afro-américain. Et moi, qu'est-ce que j'en pense? Que, en fait, déjà, on mène un combat déjà depuis très très longtemps déjà. On ne s'est toujours pas respecté. Le racisme, c'est vraiment quelque chose de vraiment... n'importe quoi. Franchement, c'est... On en a assez, quoi. Nous, déjà, on a eu l'esclavage. On a eu plein de trucs, quoi. L'esclavage... juste parce qu'on faisait pas bien leur travail. Enfin, les noirs, vous avez quoi franchement avec les noirs en fait? Franchement, vous avez quoi avec les noirs? Ils sont pour vous, c'est quoi les noirs? C'est des insectes? C'est des quoi? Les noirs, c'est des personnes humaines comme tout le monde. Enfin, je sais pas pourquoi vous acharnez sur une personne comme ça, franchement. C'est des personnes humaines, on est tous pareils. C'est seulement la différence de point qui nous différencie, c'est tout. Nous, on est tous pareils. Que ce soit blanc, noir, métis, peau claire, enfin je sais pas, même jaune. N'importe quelle couleur. On est tous égaux. Respectez-nous. Il y a eu le racisme, déjà il y a le racisme contre les noirs. Il y a le racisme aussi contre quoi? Contre les asiatiques.
Juste parce qu'il y a eu ce fichu coronavirus là que vous dites, ah, c'est des, vous pensez tous que ceux qui sont. C'est juste les gens qui ont des yeux bridés et tout, c'est des Chinois, direct. Tu sais, l'Asie c'est grand, il y a plusieurs pays, hein, il y a la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Taïwan, il y a plein de trucs. Vous savez quoi, franchement, ce racisme là, ça fait vraiment taper les gens. Vous savez que à cause du racisme, il y en a qui sont en dépression carrément. Franchement, moi je dis, hein, les Afro-Américains, ils ont bien fait de se moquer. Tant que les quatre policiers là ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas condamnés. Franchement, les Afro-Américains, ils font du bon travail. Même pas que les Afro-Américains, les antiracistes. Ils font vraiment du très bon travail. Franchement, moi je leur dis, hein, qu'ils continuent comme ça. Jusqu'à ce qu'on ait justice, qu'ils continuent comme ça. Ça me ferait vraiment plaisir. Bien que nous, en Afrique, nous, les révoltes comme ça, les manifestations comme ça, on peut pas le faire. Parce que sinon, déjà, notre président là, ce qui paraît, qui avait donné l'accord pour qu'on soit les testeurs pour le coronavirus, à Skip, je sais pas, j'ai entendu parler, mais bon, c'est l'histoire ancienne, de toute façon, ça, il paraît qu'elle est quand même récente, mais franchement, la première, ça m'a tellement de mal, franchement, tellement de mal, vraiment, je me fais aussi. J'ai fait des vidéos. Une partie, j'ai fait une réaction sur un TikTok qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et un autre, c'est une petite vidéo qui montrait que voilà, depuis des années, quoi, le racisme, c'est pas encore fini. J'ai regardé aussi, depuis certains temps, je regarde aussi des vidéos sur YouTube, comme quoi. Propos du racisme, bien sûr, j'ai vu une vidéo comme quoi il y avait un policier blanc, un américain blanc, qui avait interpellé un, je sais pas si c'était un noir ou un blanc, je crois, il était en voiture, le personne, et le policier a dit oui, ne vous inquiétez pas, on tue que les noirs, donc les noirs c'est des insectes, et vous n'avez pas avec les noirs, franchement. Après j'ai vu une autre vidéo. J'en ai vu trois qui. Enfin, quatre qui m'a. Le quatrième, je sais qu'il est sur mon TikTok, mais j'en ai vu trois qui m'a vraiment choqué. Il y en a un qui. Deuxième vidéo qui, quoi, qui. Ouais, genre. Il y a eu l'histoire d'un noir qui faisait du babysitting, qui gardait deux blancs, comme par hasard. Et deux enfants blancs, et il y a un policier blanc qui l'a interpellé, qui a dit ouais, genre, tu sors ses papiers, etc. Il sort de la voiture, et en fait, le noir, il disait, il avait beau lui dire oui, je suis du papi-sitting. Le policier blanc, il le croyait pas en fait. Il fallait qu'il ait la préservation des enfants, donc il a protégé les enfants pour dire est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il fait du mal, etc. Mais what? Pourquoi ce respect là? Après il y a eu un autre, c'était un documentaire par contre. Je sais que c'était une femme noire qui était en. Ouais, une femme noire. Je sais plus, je me souviens plus de cette vidéo là. C'était une femme noire, je crois, qui était tranquillement en train de bronzer. Je suis pas sûre, hein, mais est-ce que pareil, un policier blanc qui est arrivé, il lui a tiré par les cheveux et tout. Après. Il y a un des antiracistes qui a prouvé que les policiers, enfin voilà quoi, et les policiers, tout ce qu'ils voulaient, c'est qu'il a pointé son arme, il a sorti son arme, il l'a pointé sur deux autres individus noirs, je crois, enfin un antiraciste, il l'a pointé dessus, il voulait lui tirer dessus, devant plein de monde. Et en fait, je comprends pas, je regarde les actualités, je comprends pas. Les gens vous filmez là, les gens qui filment les vidéos là, vous avez quoi pour faire, vous attendez quoi pour intervenir? Vous intervenez même pas. Nous on est quoi? On est des objets? Intervenez, non? Vous êtes des personnes qui nous protègent. Intervenez. Vous avez juste peur que voilà. Nous notre combat il n'est pas encore fini. Vous voulez encore chercher des problèmes encore. Et franchement un jour, hein, vous allez voir. Nous, les Noirs, on est vraiment des personnes très très fortes.
pour nous, ça rentre ici. Et quand ça rentre ici, ça ne se ressort pas là, de l'autre côté, hein, franchement. Nous, vous allez voir, hein, un jour, on va avoir la justice. Un jour, vous allez voir qui... On reprendra le dessus. Vous allez bien. Bon, j'ai trop parlé. Mais après, voilà, c'était pour sur mon ressenti sur ces deux sujets-là. Donc voilà. On se dit à tout à l'heure. Bisous. Regarde, regarde.
That's a bit of rondo. Je sais, j'ai oublié. Thank you.
Jolie cour, dis-nous ce danse. La grande dame de Kamundu est là. Bah voilà, tu enlèves. Pas grave. Tu es toujours contre Dieu durant comme ça. Moi aussi j'étais contre Dieu. Tout va Thank you.
Hôtel est un hôtel féminin, hôtel est un hôtel féminin, hôtel est un hôtel féminin.